Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Adi Diatou. Je suis la lauréate de Saint-Denis. Normalement, j'ai pas cette voix, mais on va faire avec aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très polyvalente. J'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'ai commencé par faire un collège normal, bac S. Ensuite, je me suis dit, allez, je vais aller faire de la médecine. Et je me suis dit, non, c'est trop long, et j'ai fait du droit. J'ai fait un master 1 de droit public, ensuite un master 2 de droit fiscal. Et aujourd'hui, on cherche la moula. Entre l'art oratoire et moi, c'est un peu une grande histoire d'amour. J'ai commencé à en faire au lycée, puisqu'il y avait des concours d'éloquence un peu qui étaient organisés par mon lycée. Ensuite, après le lycée, mes profs m'ont grave poussé à continuer à prendre la parole. Du coup, j'ai participé à des concours d'éloquence au niveau de ma fac. J'en ai fait 3 au niveau de ma fac et ça me plaisait grave. Et c'est aussi pour ça que je fais du droit, puisque je regardais trop les séries américaines, etc. Et du coup, quand j'ai fini mes études à la fac, j'avais encore envie de prendre la parole, j'avais encore envie de dire des choses. Et du coup, c'est là que j'ai connu Eloquentia et je me suis dit, allez, il faut que je fonce. Et je me suis présentée et puis voilà, maintenant je suis là. Bah franchement, ça me fait super plaisir. Parce que même si j'ai fait quand même pas mal de concours d'éloquence, je ressens toujours la même pression. Mais c'est une pression qui me motive énormément. J'adore cette pression, je trouve qu'elle est grave positive. Et le fait d'être là, d'avoir rencontré tous ces gens, d'avoir entendu tous ces discours, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Je pense qu'elle rêvait de rester dans son lit à regarder plein de mangas. J'ai toujours rêvé de prendre la parole devant de grandes assemblées, genre, mais toujours, vraiment toujours. Et de faire du théâtre aussi. Parce que dès la primaire, en fait, j'étais dans des écoles où il y avait toujours des activités du théâtre, de la danse ou de la musique. Et moi, j'étais souvent dans les groupes de théâtre. Tout ce qui est en lien avec la parole, j'adore. Alors moi, au-delà de la demi-finale, au-delà de la finale, c'est vraiment de continuer à promouvoir la prise de parole. Je viens de banlieue et je trouve qu'on est souvent sous-estimé ou on se sous-estime nous-mêmes en fait. Et moi, mon but, c'est de leur faire comprendre que si tu as quelque chose à dire et même si tu n'as rien à dire, vas-y quoi. Et la prochaine étape, c'est vraiment de pousser un maximum de personnes à prendre la parole. Surtout la jeunesse, parce que soit on n'est pas assez crédible en face des gens, ou soit on trouve nous-mêmes qu'on n'a pas la crédibilité. Et c'est de vous dire, putain, mais allez-y, quoi. On a la chance de pouvoir prendre la parole. Il y a d'autres endroits où il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. Donc si on a la chance de pouvoir le faire, il faut saisir cette chance. Donc voilà, la prochaine étape, c'est de faire comprendre ça à un maximum de personnes. Le rendez-vous pour la demi-finale, déjà je vous invite tous parce que vous allez kiffer, vous allez bien rigoler et franchement je pense que ça vous motivera, ça vous apprendra des choses et j'ai hâte d'apprendre aussi des choses à ce prochain rendez-vous. Bah ouais, carrément. Voilà.